سيدتي إطارة الوكالات، الحاضرة معنا أسرة الإعلام، تحية طيبة للجميع. أما بعد، يعد تعاطي المخدرات من المشكلات التي تهدد الصحة العمومية لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع بأبعادها المتعددة، والتي تعرف تفاقما من يوم لآخر لتمس العديد من الفئات العمرية ولا سيما المراهقين والشباب، مما استدعى تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية وطنية حول مكافحة الإدمان والوقاية منه، والتي تمتد من تاريخ 30 مايو إلى غاية 8 جوان 2023، تحت شعار الضمان الاجتماعي يرافقكم لوقايتكم من مخاطر الإدمان. ويهدف الصندوق من وراء تنظيم هذه الأيام التحسيسية إلى الدق ناقوس الخطر حول آفة المخدرات الدخيلة على المجتمع الجزائري والوقاية منها واحتوائها، إضافة إلى توعية الرأي العام بضرورة توحيد وتنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، كما يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على التدابير المنتهجة من قبل الصندوق في سبيل تحسيس المؤمنين لهم اجتماعيا حول مخاطر الاستهلاك المفرط والاستعمال غير العقلاني للأدوية الخاصة بالأمراض العقلية. وشكرا. Donc cette disparition de la CNAF il y a 12 jours a accompagné les associations du centre, la accompagnation à les institutions concernant cette combat sur les fléaux. Donc le service par prévention des risques professionnels a été créé en 1983 au niveau de la classe à Josulaï, sous l'égide de l'OIP évidemment, et on est régi par un décret, c'est le décret 427-97 concernant les enquêtes techniques en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des stagiaires, des centres de formation et des travailleurs en matière de risques professionnels, tout ce qui concerne l'immunisation. Donc aujourd'hui, cette journée elle concerne évidemment le fléau de la drogue, etc., qui ronge notre société ces dernières années. Donc c'est une... C'est une tâche un peu difficile pour le service de prévention de la CNAS, du moment qu'on est spécialisé dans les risques professionnels, mais à l'heure d'aujourd'hui, on va faire des efforts, bien sûr, pour accompagner, bien sûr, ces associations, dans le but, bien sûr, de sensibiliser nos stagiaires et les travailleurs au milieu du travail. Donc, j'ai une petite présentation à vous faire concernant la drogue et les fléaux sociaux. Vu que les narcotiques, les barbituriques, de toutes sortes, circulent dans tous les milieux jusqu'à atteindre les structures scolaires, milieux de travail. En effet, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNAS, pour sa part, participe aux manifestations d'information et de sensibilisation au milieu fréquenté par des jeunes, notamment dans les centres de formation professionnelle. Du moment que on est spécialisé, c'est-à-dire à faire des campagnes d'information et de sensibilisation sur les risques professionnels au niveau des CFPA et toutes branches confondues, évidemment. Donc pourquoi ne pas, bien sûr, entamer des campagnes d'information concernant ces fléaux. En signe de la détermination et renforcer l'action de la coopération pour atteindre l'objectif d'une société internationale exempte de drogue impure. La toxicomanie. Donc l'usage de drogue est légal, ou l'usage de médicaments sur ordonnance. Parfois, ne délivrés pas sur ordonnance, effectivement. Ou en vente libre, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont servis, être utilisés en quantité excessive. L'abus de la drogue entraîne des problèmes sociaux, physiques, émotionnels, même au travail, évidemment. Donc l'impact de la drogue. Parmi les conséquences néfastes qu'entraîne l'usage et l'abus des drogues, on peut citer la dépendance, les surdoses, les accidents, les dommages physiques et psychologiques, même parfois des décès prématurés, suite aux arrêts cardiaques. D'ailleurs, nous avons enregistré ces derniers temps beaucoup d'accidents du travail suite aux arrêts cardiaques. On ne sait pas si c'est dû au circuit de la Covid ou bien sûr, parce que le facteur humain, c'est difficile de déterminer la cause réelle en matière de facteur humain. Sur le plan technique,
il n'y a pas de souci. Les risques mécaniques, les risques biologiques, etc. C'est facile de déterminer les causes, l'agent causal d'un accident, la cause à effet d'un accident. Mais concernant le humain, en matière d'ergonomie, c'est vraiment difficile d'en trouver la cause réelle de l'accident, de la cause humaine évidente. Donc les facteurs de risque sont généralement dus aux facteurs de conflits familiaux, si souvent, évidemment, même les accidents du travail enregistrés, les accidents graves, les accidents mortels sont dus aux conflits familiaux, évidemment, les conflits au milieu du travail, et la pauvreté et la promiscuité, ces ressources, bien sûr, de la drogue, évidemment, et le stress. Le stress, nous avons le stress professionnel qui est, bien sûr, qui engendre pas mal de pathologies ces derniers temps dans notre société et en milieu du travail. Il est connu comme, bien sûr, n'est pas reconnu comme maladie professionnelle, mais au post-traumatique, il est considéré comme accident du travail, mais au post-traumatique avéré, évidemment. Et bien sûr, nous avons les comportements individuels, le tabagisme, l'alcoolisme, qui est interrompu au milieu du travail. Terme psychologique ou somatique favorable, usure biologique, travail posté, du moment que il y a des entreprises qui exercent le travail posté, c'est-à-dire le 2x8, le 3x8, mais le plus répandu, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de conséquences, c'est généralement le travail posté, là où il y a des usures biologiques et des conséquences néfastes sur la santé des travailleurs. Hiérarchise des actions de lutte contre la toxicomanie. Donc, en premier lieu, on agit en amont. C'est-à-dire, on agit en amont. Comment on agit en amont? C'est de défendre d'abord nos frontières, parce que la drogue passe par les frontières. Donc, on dit les frontières, les ports, les frontières. Donc c'est en premier lieu, avant que la drogue ou les stupéfiants arrivent directement au consommateur. Donc il y a en premier lieu cette lutte. En deuxième lieu, il y a les campagnes de sensibilisation et d'information. C'est très important d'informer et de sensibiliser nos jeunes contre la toxicomanie, contre l'usage des drogues et ses effets néfastes sur la société. Donc c'est les deux actions prioritaire pour lutter contre ce fléau. Le voyeur a déclaré les produits susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, évidemment. Donc, la loi, c'est l'une des meilleures lois, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, du moment qu'elle prend même en charge des actes de dévouement. Les incendies, les victimes d'incendies de l'année dernière, ils étaient pris en charge en matière d'actes de dévouement. Donc, quelque part, la sécurité sociale et l'Algérie, elle fait beaucoup, beaucoup de social. C'est dans le cadre d'actes de dévouement. Et en plus de ces actes de dévouement, les définitions, la définition de l'accident du travail et la définition de maladie professionnelle, c'est-à-dire, c'est des articles qui sont élastiques, qui sont vraiment larges pour les victimes, évidemment, et pour les employeurs en général. Et nous avons aussi des articles qui obligent même l'employeur à déclarer, même s'il n'y a pas, bien sûr, s'il y a un doute, etc., bien sûr, la prise en charge de la déclaration est prise en charge par la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale, bien sûr, de statuer sur le caractère professionnel. Les collégiens. Les collégiens et les lycéens, parce que ça commence dès là, ça commence dès le collège et le lycée. Pourquoi vous ne faites pas les campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, enfin, des CE, des collégiens et des lycéens? C'est une question vraiment pertinente. L'assurance sociale, les stagiaires, les centres de formation, des instituts, etc., ils ont une quote-part de cotisation à payer auprès de la sécurité sociale. Donc en matière d'accident, de maladie professionnelle, on les branche, pas de soucis. Par contre, les écoliers, non. Pourquoi? Parce que les écoliers n'ont pas encore une assurance sociale. Tout à fait. N'ont pas de couverture sociale. D'accord. Mais par contre, les stagiaires, ils sont pris en charge par la sécurité. Ils ont une couverture sociale en matière d'accident de maladie dès son jeune âge, parce que nous, on essaie de toucher à la source ce genre de fléau. Et ce genre de fléau, il concerne beaucoup plus les jeunes. Il concerne les jeunes, très jeunes, etc. D'ailleurs, même la loi de 88-07, dans son article, c'est même pour essayer de protéger concernant le port de charge, etc., que ce soit les mineurs et les handicapés. Ils ont un article de loi qui est spécifique à cette catégorie. C'est pour ça que nous, on est appelés à faire des campagnes de formation sur les nuisances, évidemment.
les nuisances en matière de risque professionnel, accident de travail et maladie professionnelle, comment sont protégés, comment porter son OTI, etc. Dans le cas d'accident, qu'est-ce qu'il y a de faire, évidemment. Mais le problème qui se pose, il y en a des mineurs qui s'adonnent à la drogue. Mais c'est-à-dire pour la prise en charge, vous lèchez des centres spécialisés pour, disons, des intoxications. Vous lèchez l'hospitalisation. Donc on rencontre énormément de problèmes. Qui concerne nous, les officiers conventionnés avec la matemasse, très bien. Peut-être des médecins traitants. Les médecins traitants, oui. Qui va se rappeler quelles sont les actions c'est-à-dire pour visager des enquêtes, enfin, les officiers naturels. Oui, les médecins traitants. Très bien. Puisque là, c'est qu'on a un chien de famille. Il est basé beaucoup plus sur les officiers plus les médecins. Très bien. Par exemple, quelles sont les actions à entendre vis-à-vis les officiers naturels conventionnels avec la matière, plus vous gagnez vos conventionnels avec la classe. Plus les médecins par exemple. Puisqu'à l'argent des médecins, les médicaments sont sur la base d'un nombre d'enfants. Donc là, tandis que là. Donc les vacances, par exemple, quelles sont les actions. Vous avez les officines qui peuvent les médecins peuvent. C'est une question, elle concerne directement le médecin chef de la classe. Il est là. Quand le drogue, amphétamine, cocaïne, etc. Bah, il y a le deuxième volet qui est récent, c'est le détournement de l'utilisation des médicaments qui sont destinés au départ à traiter des maladies pour autre chose. Okay. Dans la façon de Huawei, enfin, mes chats, c'est le de Huawei qui sont détournés, il y a une merde. En ce qui concerne la question unique de la CNAS, a une méthodologie qui est basée sur la réglementation et la loi concernant le remboursement dans la prise en charge de ces maladies. Il y a des lois qui existent depuis quelques années et qui gèrent ce volet. Maintenant, il y a des médicaments, on ne peut pas se faire servir comme ça, c'est la carte Shiva. Systématiquement et automatiquement et obligatoirement, le pharmacien envoie le malade, l'assuré, au contrôle médical. Ben, le contrôle médical, suite à un examen et tout ce qui va avec, le médecin décide est-ce que réellement Wagi regarde ça. Et où le mess doit y aller, est-ce que ça a toutes les conditions nécessaires à la prise en charge sur remboursement existent, donc il n'y a aucun problème. Le malade se fait servir normalement, si ce n'est pas le cas, il ne se fait pas servir, on ne lui rembourse pas, on ne le paye pas le médicament. Mais il y a les conditions, les CPR, ce qu'on appelle les CPR, c'est régime assez géré par des textes de loi. Et si c'est le spécialiste qui le prescrit, il l'envoie au contrôle médical. Le contrôle médical fait son contrôle médical. Si ça nécessite une correspondance avec le prescripteur, elle le fait, et toute une procédure. Même bête. On le prend en charge. Non, on ne le prend pas en charge. Il aussi. Concernant les arrêts de travail, c'est la même démarche. On vérifie, on contrôle. Il y a des maladies. Il y a tous les documents, il y a tout ce qu'il faut, qui prouve qu'il y a. Il est pris en charge. Et c'est pas vrai. C'est un arrêt de travail de complaisance. Il n'est pas pris en charge. Et on s'arrange pour que le prescripteur comprenne qu'on sait ce qu'il est en train de faire. Même pas dit Goled, il y a d'autres autorités qui sont concernées par ça. Le conseil de l'ordre, les hôpitaux, les EPSP, les EPH, le ministère de la Santé. C'est-à-dire.